Good morgen, allez, Iden, les tutos aujourd'hui, les Lounishmat, Mourir Bishmuel ben Shlomo Zalman, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, Rosette Zohara bat Sultana, Sekhudir Fouat, Sarah bat Betty Rivka, Rafael Zboulun ben Chaya Maria Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sekhet Menachot, Perek Yud Gimel, Mishnah Bet. Mincha, Min Ha Mincha, Yavi Echat, Menachot, Min Menachot, Yavi Shtaim, Perashti, Ven Yodama Perashti, Yavi Chamishtan, Perashti, Mincha, Shel Esronim, Ven Yodama Perashti, Yavi Mincha, Shel Shishim Isaron. Rabbi Omer, Yavi Menachot, Shel Esronim, Me'echad Ve'ad Shishim. On continue notre Mishnah à parler de celui qui fait un vœu d'apporter une Mincha, mais qui ne se souvient pas précisément ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il devrait faire dans le doute ? La Mishnah commence à nous dire, si elle a dit Mincha ou Min Hamincha, je vais apporter une oblation, sans préciser, pour le moment il se rappelle très bien. J'ai dit une oblation, il n'a pas précisé laquelle vous rappelez, il y a cinq sortes. Il y a la Mincha Tzolet, Machvat, Machreshet, Mafetanour, Kikin, Chalot, comme on va voir après dans le sud de la Mishnah. Il y a plusieurs espèces. Lui, il n'a rien précisé. Alors sur ça, on lui dit quoi ? Eh bien, Yavi Echad, t'apportera une, celle que tu veux. Ton vœu s'interprète que tu as fait le vœu d'apporter une Mincha. Ce que ça te sort. Que tu dis le mot mincha ou que tu dis le mot min mincha, une espèce de mincha. Par contre, si tu as dit menachot au pluriel, ou encore min menachot, des espèces de menachot, donc au pluriel, sur ça, il y a vi shtaim. Le minimum du pluriel, c'est deux. Donc, ta parole, t'as engagé à apporter deux menachot. Tu vas devoir choisir deux menachot et les apporter. Le Barthénora précise qu'il faut, aussi je l'ai vu, j'ai vu quelqu'un qui avait précisé, qui disait Yavi Shtaim qu'il faudrait apporter les deux, mais de la même sorte. Je ne retrouve pas tout de suite. Mimin Chadwe. C'était dans le Barthénora. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut être expliqué pourquoi. Apparemment, on va interpréter qu'il a dit que tu vas apporter deux fois la même. Ensuite, Perashti Veni Oderma Perashti Yavi Chamishtan. Là, maintenant, on commence à rentrer dans les problèmes du doute. Il ne se souvient plus de ce qu'il a dit exactement. Il a dit, j'ai explicité quelle mincha, mais je ne me souviens plus laquelle. J'étais en train d'étudier le cours de Menachot sur YouTube, et j'avais appris qu'il y avait plusieurs espèces, et je me suis dit, tiens, je vais apporter celle-là, ça me branche. Et ce qui se passe, c'est qu'après, il ne se souvient plus c'était laquelle. Il reprend le cours, il ne retrouve plus laquelle. Et bien, dans le doute, on va te dire, tu sais quoi ? Yavi Chamishtan, tu devras apporter les cinq sortes, qui sont, on les répète, Minchat Solet, c'est d'apporter encore la semoule à l'état brut, juste tu la mélanges à l'eau et à l'huile, sans la faire cuire du tout. Et de là, le Kohen va prélever le komets, l'échantillon. Ça, c'est une minchat solette. Et encore une autre possibilité, c'est la minchat marvat ou marchechet. C'est que tu vas la faire dans un ustensile, tu vas la faire frire avec de l'huile. T'as un même qui dit le contraire, qui dit pas comme ça. En tout cas, comme ça, on tient dans tout spot et tout ça, qu'il y a de l'huile dedans. Marvat, avec une poêle plate. Donc ça fait une qualité de pain beaucoup plus dur, croquant, comme quand on fait griller à la poêle en fait. Ou bien ma fréchette, c'est une friture avec, où on fait un bain dans l'huile. Dans ce cas-là, ça sort quelque chose de plus mou. Ma fréchette, c'est rochèche. À part ça, il y a le minchat ma'afé, celle que l'on fait au four, et on avait pris qu'il y a deux espèces, soit les chalot, soit les rikikin, ça dépend comment est-ce qu'on mélange l'huile, est-ce qu'on mélange l'huile dans la pâte, ou est-ce qu'après avoir fait la pâte, sans huile, on rajoute l'huile aussi au-dessus. Donc dans le doute, tu ne sais plus ce que tu as explicité, tu devras apporter les cinq sortes. Bien sûr, tu diras, celle que je dois apporter, c'est elle, mon obligation, et les autres, je ne fais qu'à deux. Perashti mincha shel esronim ve'en yodea ma pirashti. Là, à présent, on parle de quelqu'un qui se souvient qu'il avait fait un vœu d'apporter X quantité de esronim, mais je ne sais plus combien. Je n'arrive pas à me souvenir, qu'est-ce que j'avais dit. J'avais dit que j'allais apporter 18, 26, 20, 22. Qu'est-ce qu'on fait? Ça ressemble au cas de la Mishnah précédente, mais on va voir qu'il y a une différence, on va l'expliquer ensuite. Donc pour le moment, il dit, j'ai explicité combien de esronim, combien de isaron, c'est la mesure requise, 1 kg 660, 650. Donc j'ai précisé combien j'allais en apporter d'unités, mais je ne me souviens plus, Veniodama Pirachi, je ne me souviens plus combien j'ai explicité. La Mishnah enseigne, Yavi Mincha Shel Shishim Isaron, tu sais quoi, dans le doute, tu apporteras une grande Mincha qui contient 60 isaron. D'accord? Pour le moment, c'est clair, c'est le même principe qu'on a vu dans la Mishnah précédente. C'est vraiment la même chose, d'accord?
Cette fois-ci, il y avait Pirachi, Venyodama Pirachi, il y avait Shishim Misarov. Mais regardez, cette fois-ci, il y a Rabbi qui va discuter. Rabbi Omer, Yavi Menachot Shel Esronim, Me'echad Vat Shishim. Rabbi nous dit, non, ça ne va pas. Tu ne te souviens plus combien tu as apporté? Alors tu as apporté 60 Menachot. Une mincha qui va avoir un Isaron, une mincha avec deux Isaron, une mincha avec trois Isaron, quatre Isaron, cinq Isaron. Et tu vas les apporter en quantité distincte. Pourquoi Rabbi discute spécialement dans cette Mishnah et pendant la Mishnah précédente? Qu'est-ce qui a eu de changé? Alors le Barthénoï nous met déjà l'accent depuis le moment où il y avait écrit Pirachi Mincha Shel Esronim, Bekli Echad. J'ai explicité cette fois-ci que je n'allais pas faire un don de X Isaron, quantité de semoule. Non, j'avais précisé que je les allais apporter dans un ustensile. Tu as décidé que tu allais les apporter dans un seul ustensile. Alors dans ce cas-là, tu as donné une limite à ta Mincha et tu ne peux plus en rajouter. Il y a un interdit de rajouter sur les doses, de manière générale. Tu peux décider de faire une mincha qui fait 4, qui fait 5, qui fait 10, 12. Mais si tu as décidé que tu vas faire une mincha qui fait 10, tu n'as plus le droit d'en rajouter 2 d'après Rabbi, dans la mesure où tu as dit « Bekli Echad », que tu vas porter les 10 dans un ustensile. D'accord? C'est le principe, le Bartanoï dit que « Alma Bekli Echad Kava », il est kovea, il fixe dans un seul ustensile, quand tu précises que tu vas porter dans un ustensile. Donc tu vas faire 7 offrandes. Et dans ce cas-là, tu ne pourras plus rajouter dessus. Maintenant, tu ne sais plus laquelle tu vas faire. Alors, tu vas devoir apporter les 60 éventualités. 1, et 2, et 3, et 4. D'accord? Comme ça, on a fini d'expliquer la Mishnah. Juste techniquement, là, le Barthénora, le Tosotium Tov, Menachet Shlomo nous explique comment on fait les calculs des suites. Si vous vous rappelez, on avait appris ça, je crois, en première ou en terminale. Vous devez faire calculer une suite. Combien ça fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à 60. Alors l'idée, elle est très simple. Le principe, il est très simple. Il est de prendre, mais il y a une petite astuce qui est explicitée dans le Melachet Shlomo, c'est comme ça qu'on apprend aujourd'hui à l'école, avec cette technique. C'est-à-dire, le principe, il est très simple. Quand tu dois additionner 1 plus 2 plus 3, au lieu de faire 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, et après tu t'embrouilles, il y a une solution beaucoup plus simple. C'est que tu prends le premier et le dernier. 1 plus 60, ça fait 61. Le deuxième et l'avant-dernier. 2 plus 59, 61. Regardez, ça va faire 61, 61. Donc le principe, en fait, il est de prendre toute la suite des 60 chiffres. Vous prenez le premier avec le dernier. Le deuxième avec le deuxième de la fin. Troisième, troisième, quatrième, quatrième. Et comme ça, vous allez vous retrouver avec 30 paires de 61. Donc 30 fois 61, 1830. Il y a un petit problème technique quand on procède de la sorte. C'est lorsqu'on doit calculer une suite de chiffres impairs. Faites le calcul de 1 jusqu'à 59. Ça va faire 1 plus 59, 60, 2 plus 58, 60. Vous allez faire 60, mais 60 fois combien? Fois 29, fois 30, là vous allez avoir un problème. D'accord? Il faut faire fois 29, plus le 30e en fait. Mais c'est alors la solution qui est cette fois-ci rapportée dans le Melachet Shlomo, il est tout simplement de calculer deux suites et après de diviser par deux. C'est-à-dire, comme ça on avait appris, je me rappelle, en terminale, je crois, en première, je ne sais plus, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en dessous tu écris une deuxième série. 60, 59, 58, 57, et donc tu vas te retrouver avec 60 unités, ou 59 unités, ou peu importe. Donc le nombre d'unités multiplié par le premier plus le dernier, donc en l'occurrence sur 61 ça fait 1 plus 60, 61, fois 60 unités, donc 3660, divisé par 2, 1830. Et dans ce cas-là, on a gagné que même pour les chiffres impairs, ce sera toujours le même principe. D'accord? J'espère que c'était assez clair, je vous souhaite une journée pleine de salaire à Koltou, salaire.